c'est intéressant qu'on vienne à notre rencontre parce que parfois on se sent quand même un petit peu isolé. Nombre de territoires aujourd'hui décident d'investir dans des réseaux radio à très haut débit pour bien permettre à leurs administrés de disposer rapidement d'une connexion à très haut débit en attendant l'arrivée hypothétique de la fibre, parce qu'on sait bien qu'elle ne pourra pas forcément arriver partout et tout de suite. Ce que les gens attendent, c'est un internet satisfaisant rapidement. Et la fibre, c'est le niveau ultime. Et la proposition régionale, le THD radio, c'est une solution qui est déjà en place. Elle est disponible, elle est efficace et elle couvre, elle a cette particularité, cet avantage par rapport à la montée en débit, c'est qu'elle couvre des zones très larges, très denses. Pour nous, c'est vraiment une étape indispensable avant d'aller à la fibre. Il reste des communes ou des foyers qui peuvent être isolés de ces réseaux radio, et dans ce cas, eh bien, on peut avoir recours à la technologie satellitaire. Les jeunes qui viennent s'installer, la première question, bon, c'est les écoles, bien sûr. Deuxième question tout de suite, c'est qu'est-ce qu'on a comme débit ?